Eh bien, bonjour et bienvenue dans Valfort. Voilà, c'est pas Tyria, c'est pas Non Shall Intruder Descente. Voilà, c'est Valfort. Donc, c'est un jeu qui sortira et que j'aurai en janvier ou février 2025. Voilà, là, j'ai le studio m'a. Donc, j'avais un travail à faire pour eux en même temps. Et du coup. Voilà, du coup j'ai le jeu là en. Je pense que c'est comme l'Early Access, ou la bêta, comme vous voulez. Et ce jeu-là donc sortira, voilà, et j'aurai bien sûr le jeu et j'expliquerai un peu plus en détail encore plus, parce qu'il y aura encore plus de choses, je pense. Là c'est, je ne sais plus, 3, 4, 4e partie, je ne sais plus. Dans ce jeu-là, avant de vous dire des bêtises, on va y rejouer. Voilà, on va y rejouer. Pas, on va pas recommencer, on va continuer parce qu'en fait, ce village-là, j'ai pu mettre des bâtiments grâce à de l'argent parce que j'ai acheté aussi des choses, mais aussi en craftant, un petit peu en additionnant les choses. Ce qui fait que, en additionnant les bâtiments sur cette map-là, vous pouvez aussi additionner les items. Et du coup, les items additionnés, vous pouvez faire des combattants. Ou des outils, des armes pour vous, votre groupe. Mais sur la map, vous pouvez faire des bâtiments et des tours, etc. Donc ça, c'est pas mal. Ici, alors là, c'est un menu que j'ai eu en relançant le jeu. Il est marqué, en lançant le jeu plutôt, construisez une tente de général pour augmenter la taille de votre équipe. Cela vous permettra d'amener plus de héros sur le champ de bataille. Ça, c'est pas mal. Donc pour cela, il va falloir aller là-dessus, je crois, et commercer. Donc, c'est construisez une tente de général. Alors, est-ce que j'en ai ou rassemblement des commandants? Non. Si vous n'êtes pas satisfait du choix qui est là, vous allez actualiser, mais ça vous coûtera 16 crédits. Donc là, j'aimerais bien savoir. Alors, attends, on va regarder. Les tentes, c'est ça. C'est bien ce que je pensais. C'est quoi ça? Tente du général, voilà. Donc vous avez compris qu'en fait, il va me falloir trois petits conseils qui vont me donner un point stratégique. Trois points stratégiques créés avec ceci, ou achetés, peu importe, va me donner un rassemblement de commandants. Trois rassemblements de commandants va me donner l'attente du général qui va augmenter donc les cases quand je vais être en combat qui va augmenter les cases de donc je pourrais rajouter quelqu'un. Alors on voit déjà ici qu'il y a une tente de rassemblement de combattants ici, donc il m'en faut deux autres et j'aurai ceci, ça le fera automatiquement. Donc on va commercer, c'est une tente de commandant. Commercer, ça tombe bien, il y en a une là, je vais l'acheter. Il n'y en aurait pas deux par hasard? Voilà, donc je peux les mettre à côté si je veux. Ah non, pas ça, non. Je vais mettre ça là. Voilà. Or, il n'y a pas de. Pour l'instant, je n'ai pas trop compris l'emplacement, puisque sur cette map-là, je ne me fais pas attaquer. C'est une espèce de hub, je pense, où on peut partir ici, dans des arènes. On peut partir ici aussi, dans des forteresses. On peut partir aussi là-dessus, dans un camp des rebelles. Donc du coup, ça fait plusieurs endroits et actuellement, j'ai des équipes. J'ai une équipe ici. Je crois que j'ai une équipe un peu. Je crois que j'ai trois équipes. J'en suis pas sûr, mais il me semble. Donc, du coup, là, il me faudrait donc soit des points stratégiques ou des petits conseils. On va prendre point stratégique. Exceptionnellement, je vais racheter, je vais relancer le commerce. Il y a une écurie aussi, je viens de voir, c'est nouveau ça. Il a été upgradé le choix. Il y a beaucoup de choses que je n'avais pas avant. Donc, du coup, là, c'est raté, il n'y a rien. Enfin, il n'y a rien de. Il n'y a rien. Une étable.
Une étape, ça va être pour les écuries, à mon avis, si. Alors, ce qui est bien, c'est que on voit la progression, tu vois. Je vais pas acheter, je vais rester là pour l'instant. Ça, je vais mettre là, je sais que ça va être utile, mais pour l'instant, j'attends. Je pourrais pas faire l'attente pour l'instant du général qui me permet d'augmenter la taille de l'équipe, je pourrais pas le faire. Donc, on va entrer. Alors, je peux rentrer et sortir, hein. Donc, gagner de l'or, alors on va regarder un petit peu les détails. Arène de combat, gagner or et défier les autres joueurs. Ah, les autres joueurs. Ah, c'est des joueurs qu'on défie là-dedans? Dans des combats équitables. Ah, je ne pensais pas. Je savais qu'il y avait un en ligne, mais je ne savais pas. D'autres joueurs. Ah oui, alors c'est ça. Donc ça, c'est... du coup, je joue contre des gens, tiens. Alors ici, c'est Viserys Guard, approche, oui, home serving, first, défense. Oui, ça c'est, ça permet je pense, d'augmenter la défense autour de ça. Et là, c'est ici que vos héros vivent. Vous pouvez également invoquer des nouveaux héros ou les améliorer, effectivement. On va aller là, ça m'intéresse, moi, d'aller là. Donc, choisissez votre avatar. Ah, ça y était pas la dernière fois. Ça y était pas. On va prendre. On va prendre celui-là. Parce que ça me plaît bien. On peut trouver un nom ou pas? Ah, saisissez votre nom. On va l'appeler Gérald, c'est clair. C'est marrant. Non! Ah non, il fait plus penser à Zelda. Attends. Alors, on va l'appeler Zelrald. Ouais, ça fera un mélange de Zelda et de ouais. Zel. Rat. Zelrat, voilà, c'est bien. Zelrat, c'est voilà, mélange de. J'aime bien. Donc du coup là, ça a été implémenté alors. Oh, je kiffe les niveaux comme ça. Alors, vous demandez, c'est quoi tout ça? Les héros, on peut les mettre où on veut. Il n'y a pas de truc, hein, voilà. C'est pas un petit rappel, mais c'est un petit truc comme ça. On est entre amis là. J'aime pas dire le mot ami, mais on est entre nous, on va dire. Ici, c'est un coffre de revente. Donc, ce que vous voulez vendre, les dés, ce que vous n'avez pas mis en protection, partiront. Tu vois, ça, exemple, ça me permet de faire une reine des glaces. Ah, c'est le profil d'une reine des glaces, d'accord. Si je veux le garder, j'en ai deux, donc je vais les garder. Ils gardent les deux automatiquement. Je peux aussi, après, ici, mettre à des familiers ou à des personnages, je peux leur mettre des items que j'ai créés. C'est-à-dire que si vous faites, mettons, il n'y a rien ici pour le faire, mais là, ça va créer un bonhomme. Ici aussi. Il n'y a pas de... Tiens. Ouais, parce que c'est dans la même lignée. En fait, vous pouvez créer... Moi, j'ai... Alors, ce que j'ai créé, c'est elle, je l'ai créé. Bah, pratiquement presque tous, je les ai créés. Ici, c'est des portails de... Alors, il y en a qui vous apprennent des choses, des... Ils vont vous parler, voilà, apprendre les secrets, voilà. Je suis pas très fan de ça, je suis pas trop, voilà, pas trop suivi ce truc-là. Ça, The Gate, on peut rentrer. Donc là, il va y avoir un combat, mais les miens, même si je fais un petit tour, ils sont pas... Toi, là, elle est à 500, elle est à 90 parce que j'ai mis deux boucliers. Elle tape à 20. Lui, il est à 700. Le pacificateur. Ah, il a un bon truc. Alors, le bélier noir, je crois qu'il donne de la. Son truc, c'est qu'il donne. Ah, réduit tous les dégâts entrants de 50%. Pendant 4 tours. Donc si je les ai tous les trois en même temps, c'est bien. Elle, c'est l'inquisitrice, ouais, je m'en rappelle. L'inquisitrice, alors tout ça, c'est augmenté, hein. Voilà. Hein. Donc du coup, elle est à 60, elle frappe à 31. Mais pareil, si alors, je peux lui enlever tout ça, et je peux le remettre, je peux le mettre ici à l'autre personne. Je peux faire ce que je veux en fait. Enfin voilà, il n'y a pas de, je peux leur enlever, il n'y a rien de figé en fait, c'est ça le truc. Donc, elle, ok, on a vu ici.
C'est l'espritiste, mais lui, elle a rien. Donc, c'est un orque à 500. Elle, en combat, elle se fait démonter. Donc, du coup, lui, pareil. Alors, j'ai trouvé que Grâce Mortelle et tout, bon, c'est un familier. Il vous dit que saute sur les ennemis ayant le moins de santé et inflige 240% de dégâts. Ça, c'est pas mal. Le truc, c'est qu'il faut. Il est dit aussi. Alors, je sais plus, c'est un rôdeur, c'est pas lui. Il y en a un autre. Où en fait, il vous dit plus ils sont nombreux, mieux c'est. En fait, j'ai regardé et finalement, c'était pas terrible. Donc là, par contre, celui-là, Grâce Mortelle, ça a l'air d'être pas mal. Mais par contre, il est très fragile. Il a 12 de boucliers. Donc, du coup, à lui, il faudrait les boucliers. Ceci, c'est pour apprendre aussi. Là, c'est pour apprendre. Il n'y a pas un endroit où on peut apprendre. Ah ben c'est là. Voilà, c'est le trader. Donc on va là-dessus. J'ai combien d'argent? J'ai. Ah, il y a juste mon stream dessus. Alors attends. On va enlever le stream. Je vais regarder. Hop là, si je peux. Merci. 29. Ok, voilà. Moi, c'est plus clair. On va aller voir. Vous allez voir que, en fin de compte, j'ai pas grand-chose. Donc tu vois, voilà. Si je clique là, il va me dire que si tu as trois dagues comme ça, tu vas créer un personnage. Moi, ce qui m'intéresserait plutôt là, c'est d'avoir des. Pour la protection. Fragment, voilà, exemple, une bague. Cette bague-là, c'est un anneau de chambre. Voilà, c'est pour la magie, non? Ouais, ça te rajoute 11 de magie. C'est pas vraiment ce que je veux. Si je vais ici, ça va me faire un chien. Oh, ce stream, il est toujours au mauvais endroit. Non, mais c'est hallucinant, quoi. Je veux dire. Attends, on va mettre là, voilà, au moins. Je mets en haut. Donc le chien, bon, il a que 10, donc il fera rien. Il charge forcément, férocement, vers un ennemi, bondissant en lui, augmentant ses attaques physiques de 80% pendant 3 tours. Attends. Ah bon? Il charge férocement vers l'ennemi, bondissant sur lui et augmentant ses attaques. Ah, le chien! De physique de 80% pendant 3 tours. D'accord. Donc les attaques de 80%, ce qui fait qu'il va. Il va monter pas mal en fait, ouais. 80, enfin ouais, il va augmenter. Ok. Ici. Ça c'est quoi? Une broche en fer. Et ça fait quoi? Ah, ça c'est pas mal ça. Amulette de santé, ouais. Ça fait. Vous le mettez, vous avez 200 de plus. Donc un personnage qui a 500 va retrouver à 700. Ça c'est bien, tu vois. Alors si j'en ai 3 des comme ça, voilà, je peux le faire. Mais là, j'ai pas d'argent. Actualisé à 8, oui, mais non, mais là, j'ai pas d'argent. Attends, si j'ai 29, ouais, mais c'est 32, donc c'est pas la peine. Par contre, je peux vendre, exemple, ça, tu vois, ça, je vais le vendre. J'en fais rien. Donc je viens là, et normalement, je fais ça. Alors, on peut les mettre comme ça direct, sinon on ouvre, et on le fait, et ça. Tu vois, si je fais, j'ouvre là. Je peux faire vendre des déchets et il va les vendre. Donc là, je me suis repris 61 et je vais pouvoir acheter autre chose. Maintenant, on voit que là, c'est pas. Il n'y a rien, j'ai pas d'item, j'ai rien. J'ai tout rangé avant. Ici, ça sert en parlant de rangement. Ici, vous cliquez là, ça vous remet tout en place. Voilà, moi, vous savez où sont les choses. Ok, donc là, on va jouer, que je ne savais pas par contre, on va jouer contre des gens. Donc là, est-ce que je peux. Donc si je vais ici, je vais faire un combat. Tout dépend. Moi, je veux les trois qui sont là. Le pacificateur, le bélier et la confesseuse. On va voir. Ça y était pas avant ça. Ça y était pas du tout. Ok. Du coup, j'ai elle. Alors, elle qui est. Ah, c'est l'inquisitrice. Je sais pas si on voit le mec jouer aussi ou si. Alors lui, il va sauter sur les gens les plus. Ok, on va le mettre là. Lui, on va le mettre devant. Attends, pourquoi ça fait ça? On va le mettre comme ça. Ah, mais il y a des. Ça y était pas avant. Hein. Et l'inquisitrice, elle va taper de loin en fait. Donc on va la mettre là. De toute façon, ils vont pas pouvoir. On va le mettre ici. Et elle va taper de loin. Là, il n'y a rien, il n'y a pas d'archer, donc c'est parfait. Normalement, ça devrait être pas mal. Lui va sauter sur le premier. Donc ici, on voit que. Ouh là là, 1400. Je vais revenir chez moi. Ouais. C'est même pas en rêve. 800. Non, non, il n'y a rien commencé. On se barre. Il n'y a rien. Je pense que lui n'est pas au courant, le joueur. Il est au courant que lorsque je lance, je pense, le jeu. Là, non, laisse tomber. C'est pas la peine. Donc là, comme on voit que l'on est bloqué dans ce coin-là, je vais les laisser. C'est une team qui est ici pour ça.
D'accord? Il n'y a pas de moyen de sortie plus que ça. Donc là, hop, je sors. Souhaitez-vous retourner? Oui. On peut relancer on peut relancer tout le donjon, en fait, on va dire. Enfin, là, on peut relancer. J'ai pas envie. Donc là, on n'ira pas là pour se battre. On peut aller ici. Là, ça protège entrée Border Fortress. Mais on y voyait rien la dernière fois. Ah oui. Alors là, j'ai plus de choses, vous voyez. Voilà. Ici, j'ai. Ouais. Mais il me manquerait plein de. Parce que là, qu'est-ce qu'il fait lui? 600, tu vois, c'est pas. Il n'y a rien. Il se protège de 15, ça il ira nulle part. Donc là, je vois que j'ai. Tu vois, ça là. Ça peut me rapporter ça, tu vois. Donc là, les écorces de fer vont me. Si j'en ai encore une, ça me fait une amulette d'arbre de vie. L'amulette d'arbre de vie, je vais la mettre sur. Mettons, sur le berserker. Au lieu de 600, il va se retrouver à 800. Et c'est mieux. C'est pas sa protection, hein, c'est juste sa vie. Après, je peux augmenter d'autres secteurs, mais d'autres parties, mais bon. Elle, c'est les spirites. Voilà, 500. Et ici, je lui ai assez à 55, parce que celui-là lui rajoute 25. Sinon, vous déduisez 25. Voilà, donc vous avez vu ce qui reste. Alors, ici, si j'en ai trois comme ça de mémoire, si j'en ai trois comme ça, je me fais une bague. Voilà. Et cette bague-là, elle est bien parce qu'elle rajoute, associée à une chevalière, à un objet, et ça octroie son bonus. Donc ça, c'est plutôt bien. On va aller. Alors, je ne sais pas s'il y a un marchand ici. Je crois qu'il n'y a pas de marchand dans ce. Hein, vous craftez tout sur vous, sur place. Il n'y a pas de marchand. Donc là, on peut aller se. C'est ça, hein. Là on apprend, ouais, c'est ça. Il n'y a pas de marchand. Tout ce que j'ai là, je l'ai reçu de combat, en fait. Donc on va aller se battre, mais je pense que ça va pas être intéressant. On va voir. Ok. Je peux partir, hein, à ce moment-là. À ce moment-là du jeu, je peux partir. Il y a des objets qui sont là, et c'est nouveau, ça. Donc lui, ils sont à combien? 700, oui, c'est jouable. 45, ouais. Et il tape à 59 quand même, hein. Alors elle, je l'aime pas, parce elle va tirer à distance. Et elle non plus. Je crois que c'est un auto-battle, hein, d'ailleurs. Je crois que c'est un auto-battle, oui. Un auto-battleur. Ce qui fait qu'une fois que je les ai posés, ils font leur vie. Alors, on va faire archer. Ah oui, mais archer, il va être. On va faire ici. Ça, je ne sais pas ce que. À quoi ça sert ce truc? À se protéger ou. Lui, il a 600, et il tape à 30. Et lui, il tape à combien? Il tape à 59. Donc ça va déjà être. Ça va pas être le top pour lui. Je pense que je vais perdre si je fais ça. 24, 55, je vais le faire, mais je pense que je vais perdre. Et c'est. À mon avis, c'est perdu. 24, 55, et moi j'ai. Alors c'est 24, 55. Et après elle. Ça peut, mais elle est placée. Il faudrait que je la tue, elle. En fait, lui, il faut qu'il soit là. Elle, on va la mettre. Ouais, mais du coup. Et lui, on va le mettre là. On va lancer. Il faut jouer le jeu pour le jeu. Mais je pense que ça va être limite pour moi. À mon avis, c'est limite. Peut-être en tuer un, mais je vais crever. Alors, avant, il n'y avait pas de son. Pas autant. Non, c'est bien, il y avait des sons. Je savais, hein, que j'allais mourir. C'est pas grave. Dégâts subis, ok, nanana, pas de problème. Bon, on récupère quand même des choses. Les objets convertis en or. Vous avez échoué dans le donjon, donc vous obtenez que 70% de récompense, ce qui est quand même pas mal. Alors, mais. Alors, du coup, c'était où que j'ai joué? C'était ici. Donc là, je retourne. Et ils sont plus là, alors. Ah, il n'y a plus personne. Ah, il n'y a plus personne. Comment c'est? Mais il n'y a plus personne. Il faut. Comment ça se passe? Je me rappelle plus là. Construisez une tente. Oui, d'accord. Du coup, comment je fais? Ah, je peux pas y aller, donc je suis obligé de. Je me rappelle plus là. Pourquoi je peux pas y aller? Ah ouais, je peux même pas crafter rien. Je peux rien faire. Là, je me bats contre eux, là, mais il n'y a personne. Ok. À revenir.
On va aller chez les brigands camp rebelle. Donc ça c'est mes personnages du début. Mais par contre, j'ai perdu mes loots à l'intérieur. Donc ça, c'est pas cool. Donc là, il y a des ports, il y a des... Ok, on va... Alors, je vais faire ça, tiens. Voilà, donc du coup, tout se range. Tu vois, là-bas, il y a des choses que je n'avais pas encore vues. Donc là, on va les mettre par là. Combien j'ai d'argent? 400. L'argent que je gagne va servir aussi à la map, hein, pour ajouter, vous avez vu tout à l'heure, la maison du commandant. Ça me rajoute quelqu'un. Non, je vais... Ah, quoi que... C'est vrai que ça m'aurait plu d'avoir elle, mais je l'ai déjà. Donc on va les vendre, ceux-là. Et après, les libellules, ça me fait un crapaud, je crois. Ouais, le crapaud, je vais le garder. Ça me rajoute un cerf. Je vais le vendre. Ah, j'en ai deux. Ouais, non, je les vends. L'argent, je vais le récupérer. Vous pouvez le garder. Comme je vous ai dit, vous pouvez faire une bague après. Ce qui fait que ça me fait 405. Donc déjà, on va aller chez le marchand. Ça va être un... Je crois qu'on peut y aller ici, au marchand. Non. On peut vendre. Ah, malheur, on peut pas... Ah, si, c'est bon. Je vais invoquer. Donc voilà. Et là, je peux acheter. Donc, j'avais demandé au... Je pense que ça, ils ont pris en idée. En fait, lorsque vous avez des objets ici, j'aimerais bien... qu'on ait un petit ici, un petit ou ici ou là, un petit chiffre en disant ben, vous possédez cet objet, vous en avez déjà deux, mettons. Et ça aurait été bien aussi de décaler ou alors de pouvoir bouger la fenêtre aussi. Donc là, on voit que ben, voilà, la corne de la sagesse, je pense que j'en ai un, on va vérifier. Oui. J'en ai combien? Un. Ouais, j'en ai qu'un. Ça m'en ferait deux. Ça me ferait un... Pourquoi pas? Je vais l'acheter. Invoquer, corne de la sagesse. Acheter. Il se bloque automatiquement, hein, parce qu'il sait que vous en avez déjà un. Vous pouvez voir en cliquant ce que ça fait. Tu vois, là, ça fait, mettons, ça ferait un Warden. Voilà. Donc elle frappe à 45 et elle se défend à 45. C'est plutôt pas mal. Mais il faut trois cordes pour faire pour faire une seule, comment s'appelle ce truc? Parental Love. Et il faut trois Parental Love pour faire une Warden. C'est comme ça que ça fonctionne. Pomme de pin dorée, nanana, morceau de glace. Bon, actualiser, c'est combien? 16. J'ai pas de collier de chien, hein, fais voir. Non. Par contre, je peux vendre. C'est quoi ça? Ah, je me vends un bélier. Oui, vends-le. Ça me fera des sous. On va. Alors, je peux cliquer ici et faire, comme je vous ai dit, vendre les déchets. Donc, ces deux-là partiraient en fin de compte. Pour l'instant, je les garde. Je vais là invoquer. On va faire actualiser. Voilà. Et là, on voit que je vais avoir un Warden. Pas un Warden. Comment ça s'appelle? Un cerf protecteur. Donc, il défend de 15 et il tape à 10. C'est vrai que c'est pas beaucoup. Mais bon. Ça me fera toujours ça. Acheter. Donc en l'achetant, automatiquement il va se faire. Ça c'est cool. Alors est-ce qu'il est effectivement, comme il disait, c'est quoi ses states? Ouais c'est ça. 15 à 10, ok d'accord. Restaure la santé des alliés. Ça c'est pas mal quand même. Donc ça, il est pas mal à avoir. Donc les alliés, si on les voit pas, hop là, on va descendre, on va les mettre là. On les verra. Donc c'est un jeu où vous pouvez jouer avec des joueurs, mais subtilement, c'est-à-dire que c'est pas, c'est ça se passe bien quoi. J'ai pas vu que j'avais un chien. Oh mais j'ai d'autres choses ici, j'ai un bouclier aussi et j'ai des petits légumes là. Voilà. Ça permet de faire quoi? Ah oui. Alors elle tape pas. Ah oui, c'est bien ça. Il faudrait que j'ai deux fleurs ou alors un comme ça pour faire une fleur. Ah mais oui, ah, j'ai déjà deux fleurs ici. Attends. On va prendre ça. Ouais, parce qu'elle fait du 45 de suite. Hein. Attends, on va aller voir. Il me faudrait des... Comment ça s'appelle? Des fleurs endormies. Est-ce qu'il y en aurait là? Oh, super. Ok, donc là, ça fait deux. Autant vous passez, j'avais dit à ce jeu-là, autant vous passez du temps en combat.
quoique. Et alors c'est pas, je pense pas que ça soit chronométré. C'est pas celui-là qui est chronométré. C'est Tyria qui est chronométré. Et autant vous passez du temps au combat. Donc on va voir si j'ai des fleurs d'endormi. Attends, ça c'est pas des fleurs d'endormi, ça c'est partie du jardin. Voilà. Donc là il n'y a rien pour moi. On va refaire actualiser. Bien sûr, ça prend sur l'argent des bâtiments que vous pourriez mettre. Hein. Et voilà, je vais en avoir un. Alors là, par contre, ça c'est cool. Ouais. Ça c'est cool parce que. Ouais. Elle tape dessus. Elle est très bien, elle. Franchement, elle est très très bien. Alors par contre, je n'arrive pas à les sélectionner indépendamment, avoir des préférences. Quand je vais me battre, je sais pas comment ça se passe en fait. Je vais essayer ici. Alors. Je ne sais pas la différence entre les donjons. Ils ont tous la même couleur. Enfin, les portes là. Si je fais entrer, je pourrais ressortir. Hein. Donc là, on voit ici. Alors, est-ce qu'elle est là? Oui, elle est là. Elle est là ou pas? Il y a beaucoup de monde, hein, disons. Donc là, on va le laisser là. Parce que lui, il va donner il va donner de la force aux gens. Elle, c'est elle qui tire à. C'est ça. Il y a beaucoup de loups là. Alors ce qu'on va faire, c'est que elle, on va la mettre là. Et l'archer, on va le mettre ici. Je peux gagner là. Hein. On va lancer la partie, on verra bien. Mais je peux gagner. J'ai pas vu les loups après à combien ils tapent. Mais quand ils sont à plusieurs, bon, on croit qu'ils font des dégâts, mais pas autant. L'archère, il fait quoi l'autre? Il tire dessus ou pas? L'archère, elle est loin là. Personne n'a. Elle fait rien comme vie. Ah, elle est protégée. Elle est protégée par le bélier. C'est bon, il n'y a plus de bélier là maintenant. Putain, le pauvre. Je me suis fait fracasser. En fait, c'est le bélier qui protégeait l'archère. C'est pour ça qu'il avait un symbole. Il avait un symbole comme ça en fait. Le bélier. Et donc l'archère aussi, elle avait. Et du coup, ils étaient protégés. D'où l'avantage d'avoir le bélier. Ok. Est-ce que j'ai un bélier? Non. Le bélier, c'est qui? Non, ça non. Oh. Oh, 45, 45. Un paladin. Oh la vache. Il me faut soit des. On dirait des gaufres. Il me faut Eden Indulgence et. Enfin, on dirait des gaufres et des cookies. Une tarte ou alors une tarte à la. À la groseille. Attends, on va aller voir. J'ai pas. Et vous ne pouvez pas avoir des objets ici directement en clipsable dans l'inventaire du gars pour. Non, non, c'est tout des items à associer. Acheter zéro, c'est-à-dire. Ah oui, parce que j'ai rien à acheter encore. Donc là, j'ai des cordes. Est-ce que j'ai des cordes là-dessus? Non. J'aimerais bien. Et la grenouille, là, elle fait quoi? Inflige, nanana, dégâts magiques cible. D'accord, ouais. Non, mais j'ai vu que le bélier était intéressant, hein, quand même. On va invoquer. Alors là, j'en ai deux. C'est au hasard, hein. Donc tu vois, déjà j'en ai deux ici. Je pourrais en refaire un de. Ah, attends, j'ai un collier. J'en ai un, ça fait quoi ça? Ah, un berserker. Il me faudrait une libellule, j'aimerais bien tester. Ça me ferait deux danse-lames, ouais. À 45, elle frappe, hein. Donc. Et en plus, je peux leur mettre des. Des choses à l'intérieur. Ben, le cerf, je l'ai déjà. Et le cerf, lui, le cerf, il fait quoi? Restaure la santé des alliés, voilà. Lui doit être protégé, tu vois. Si j'ai un bouclier, c'est à lui que je le mets. Parce qu'il doit pas crever, lui. Ah, je suis en train de réfléchir. Le loup, là. Chien impérial, d'accord. Rien en haut, il n'y a rien. Réfléchissons. La plume, ça fait quoi? Non. Ah, une archère, oui, j'en ai déjà.
Après, je peux ne rien acheter aussi, hein. Invoquer. Non, ce qu'il me faudrait, c'est de la protection. Tu vois, là, c'est que des personnages. Non, non plus. Ouais, c'est que des personnages. Il n'y a rien d'intéressant là. Alors, soit je vais me battre maintenant. On est à 30 minutes. On va essayer. Ouais, mais attends, si je retourne, il se passe quoi? Ça va refaire les mêmes. Est-ce que je retrouve les mêmes ou pas? Oui. Ok. D'accord. Bon, on va pas y aller. Ici, on va essayer. On va essayer un petit peu de voir un petit peu ce qui se passe. Oh! Ah oui, mais c'est eux que j'aime pas. C'est les moufettes là. Porc épic. Tape à 50 et par contre il tape beaucoup ouais. Et il a une 32 et eux ils sont protégés hein. Ah oui mais alors attends ce qui va se passer c'est qu'il y a des serres protecteurs ils sont 3 donc ce qui va se passer c'est que eux ils tapent à 27 mais les porcs épics là ils vont taper à 50 ils sont 3 et ils sont protégés par les serres donc du coup c'est mort tu vas là tu te fais tuer tu te fais vraiment tuer. On va sortir. On va aller voir là. Ah. Alors attention, il est tout seul. Mais il a 65 de purée. 65 de. Il tape à 112 le mec. Il a. Regarde, regardez simplement. Regardez simplement le niveau de vie qu'il a. 3878. Voilà. C'est tout, tout est là en fait. Et toi, t'as 500. Donc tu. Tu courbes le dos et tu te casses. Alors j'ai eu moi dans mes premières parties, j'avais des personnages à 2000 et quelques. Et franchement, ils battaient même les deux derniers, ils les battaient. Donc là, c'est mort pour moi, là, c'est un peu mort. Ouais. Du coup, qu'est-ce que je peux faire ici en fin de compte J'ai 261, j'irai pas loin. Il faudrait que. Oui, il faudrait que. J'ai de la chance. Voilà, il faudrait que je tombe sur un rassemblement des commandants. Je vais jouer la chance. Il faudrait que j'ai ça à l'intérieur. Point stratégique. Ouais, j'en ai deux. Bon, c'est toujours ça. Ça m'en fait un deuxième. Si j'en ai un troisième, je fais ça. Je fais un. Ce truc-là. On va refaire. Ouais, c'est bon. Voilà, et donc du coup j'ai un temps du général, permet d'emmener plus de héros dans le donjon. Ok, maintenant grâce à ça, oh, je sais pas s'il y a une revente là-dessus, non, il n'y a pas. Un... J'aurais bien aimé. On peut pas les revendre, tu vois. Pas revendre les bâtiments. Ok, et tous ces bâtiments-là, ça c'est moi qui les crée, tu vois, exemple, il a fallu que je fasse des choses pour arriver à ça. Et ça, visiblement, tout ça là, ça... influe dans le jeu. Exemple ici, j'ai un emplacement supplémentaire. Ce qui est pas mal. Donc si je retourne là, chez les rebelles, et que je fais I, je clique là. Alors je peux... Ouais. Ah, il y a une porte ici aussi. Vas-y. Oh la vache. Oh la vache. Il n'y a que des... C'est quoi? C'est des rôdeurs, non? C'était quoi ça? Des voleurs. Le problème, c'est que saute sur l'ennemi, le moins. Non, mais c'est bon, ils vont me déchiqueter. C'est bon. À 38, vu qu'ils sont beaucoup, je pense que c'est mort. On peut essayer, mais je pense que c'est mort. Ils vont taper à 38, t'imagines? Et si je retourne ici, bah là ça va être les mêmes. Hein. C'est lui qu'il faut tuer. Lui là, le chien, c'est le chien derrière. Comment je fais avoir le chien là? C'est pas lui que je veux, c'est l'autre là derrière. Voilà. Chien impérial. Lui, il est chargement féroce vers l'ennemi, bondissant sur lui et augmentant les attaques de 80%. On va essayer là.
Je pense que je vais me faire défoncer encore. Et elle, elle s'était déplacée, il me semblait. Et lui, il pouvait plus la. Il pouvait pas la viser. Enfin, il était loin, quoi. On peut. Ouais, mais je me suis fait des. Ouais, bah allez, c'est pas grave. On joue, hein. C'est pas grave. Allez, go. On verra bien. Ça change quelque chose ou pas. Faut tuer le bélier là. Tiens, il le tue pas le bélier. Hein. Le bélier, il a du mal. Hein. Il est pas mort le bélier. Donc pour l'instant, il protège toujours. Ouais, non, toujours pas. Il va crever, mais pas tout de suite. C'est bon, le bélier est mort. Maintenant, comment ça c'est qu'elle est encore protégée, l'archère? Il me reste deux personnes de plus. Hein. Tout à l'heure, ouais, c'est. Oh la vache, je me fais mettre la raclée. Hein. La vache de vache. Eh ben dis donc. Non, là, il faut que j'invoque des trucs. Il faut que j'invoque. Pas. Ouais. Ouais. On va le prendre celui-là. Parce que le paladin, là, ça me dirait bien, finalement. Invoquer. Oh. Ouais, mais elle. Parent Love, ouais. J'ai pas un truc avec elle, attends. Parent Love. Non. Ça, c'est le crapaud. Les coussins, je me rappelle plus c'était quoi. Ah oui, ça fait des voleurs, je crois. Enfin, ça là. Des rôdeurs ou des voleurs? Des voleurs. Tiens, j'aurais pu en avoir deux. Eh ouais, j'aurais pu. Oh putain, il me reste 5. Tu feras rien, mon gars. Rien du tout. Je vais juste pleurer. Si j'ai de la chance, il faut que je revende des choses. Tant pis. Le crapaud, il a combien de. Oh, il a 5, il va crever de toute façon, lui. Donc c'est bon. On va les vendre. Ça, pareil. C'est la gestion, ce truc, hein. Là, pareil. Je veux le paladin. Il me faudrait une tarte aux pommes, là. Tarte aux la groseille. On va voir. Faites que j'ai une tarte à la groseille. Je l'ai pas. Oh, putain. Non. Crâne, non. Ça va pas être facile, hein. 69, je peux essayer encore. Actualiser. Oh, j'en ai. Alors, je pourrais avoir. C'est rare. Directement, je pourrais avoir 3 là. Direct. Si j'avais les sous, bien entendu. Oh, tiens, je pourrais avoir le crapaud. Mais tant pis. Oh, c'est mortel. Actualiser. Allez, je veux une tarte. Oh non. Ah, ouf, j'ai la tarte. Achetez. Achetez, j'ai le paladin. Bonjour, paladin. La vie va changer. Oh, j'ai eu un sur le fil du rasoir, regarde. Il me restait 5. Ok, c'est cool. Tiens, va te mettre à côté de tes amis. Le paladin, ça rigole pas. Maintenant, on va refaire. Voilà, on va leur dire bonjour, là. Tiens, viens ici, toi. Tu fais partie de l'équipe aussi. Voilà. Tout ce petit monde-là. Alors, encore une fois, je ne sais pas comment les choisir. Hein. On va rentrer. Est-ce qu'il y a le paladin? Oui. Le paladin, il va tuer. Donc on va le mettre là, le paladin, derrière. Ouais. Il y a le loup qui le gêne néanmoins. Ce que l'on va faire, c'est ça. Ça. Attends, elle, on va la mettre derrière. Parce que elle, c'est. Elle tire. Ouais. Paladin, on le met là. Elle, c'est là, l'inquisitrice. Elle fait différemment. Elle fait à distance. Alors, attends. On va lancer le combat et on va voir. Ready? Ça peut peut-être changer un petit peu. Tu vois l'inquisitrice, elle est à distance normalement. Ah, elle fait rien. Oui, elle fait. Le paladin peut tout changer, hein. J'ai deux personnes là qui tapent à 45.
et qui ont 45 de vie. Donc, tu vois, c'est moins. Il faut que je tue ces loups là. Allez. Oh, c'est pas bon. C'est pas bon quand ils se rapprochent. C'est pas mal, mais c'est pas encore ça. Oh la vache. Je dirais le truc de Terminator. Ok. Bon. C'est pas. En tout cas, j'ai pas l'impression que je perde des choses, donc des objets ou quoi. Donc je ne sais pas c'est quoi ce mode-là. D'habitude, dans les jeux, tu dois perdre des items, quelque chose quand tu perds. Et là, ici. Ah, c'est des crapauds. Écoute, on va essayer. Pourquoi pas? Allez, on va se battre contre des crapauds. Ça a changé là. Hein. Ouais, c'était plus pareil. Il tape à 28. Allez, on y va. Misère. Oh, j'aime bien par contre que voir le combat. Ça me plaît bien les auto-battleurs. Prépare ton gars et après tu envoies au combat. Qu'est-ce qui se passe là? Donc il n'y a aucun. Bon, le raid s'en prend au bout là. Alors c'est pas. C'est quoi ça? Ah oui, il se tourne. Ok, le loup, il était de l'autre côté, en fait, mon loup. Là. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ils ont deux béliers, ce qui leur fait une protection. Elle est plus en argent, elle est en cuivre, là. J'ai l'impression. Putain, elle débrouille la visitrice, hein. C'est pas grave, je me prends plein la gueule, mais c'est pas grave. Ok. On essaye. On essaye. Ah, le mec qui tape à. Comme... Allez, on est culotté, on essaye. Ouais, juste pour moi. Puisqu'apparemment, je perds rien. Donc. Là, il me manque deux à gauche, là, vous regardez, il me manque deux pour sortir d'ici. Oh, mais bon. Attends. Ah non, c'est lui qui mène la danse, là. Non, il mène la danse. Mais il perd de la vie, hein, regardez. Ah, il peut perdre. Joli jeu de jambes par contre. Non, c'est pas mal. Alors par contre, il faudrait que je mette le cerf là beaucoup plus loin. Là par contre, ça va jouer. Ah, c'est pas impossible. On va refaire. C'est pas impossible. Entrez. Ce que l'on va faire, c'est que lui, on va le mettre loin. L'inquisitrice aussi. Et eux là, on va les. Alors vu qu'il est. On va les mettre comme ça. Lui, on va le mettre derrière, c'est un archer. Elle sait quoi? Elle va taper, elle. Ok. Le loup, on va le mettre là, plutôt. Il va taper en coin. Le paladin, on va le mettre là. Et elle, on va la mettre ici. Ça pourrait le faire. On va voir. On va voir si c'est une histoire de placement ou pas. Je suis curieux de voir ça. Alors, apparemment, il s'avance. Donc, ce qui est pas... ça peut marcher. Pour l'instant, il perd pas beaucoup. Il n'a même pas la moitié de sa vie. Si je rajoute des percs à mes... Oh. L'inquisitrice, elle se défend. Hein. Le cerf, il devrait... Le cerf, il fait rien. D'accord. Là, il me manque pas grand-chose. Il me manque quelques items à la limite pour arriver à ce que je veux faire. Ici, ça me rajouterait quoi? Non, c'est pas ça. On va les vendre. Il me faut du blé. Vends. Alors, on peut vendre d'un coup, hein, si je veux, comme je vous ai dit. Là, il me faut juste créer des... Mais j'aurai pas de chance. Je peux pas, à mon avis, créer directement. Hein. J'ai que 17 balles. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Donc, on a vu la progression. Il me manque deux niveaux pour sortir de ça, en fait. Pour sortir, c'est-à-dire les avoir disponibles et, à mon avis, les envoyer dans là où on a perdu les autres. Je pense que c'est ça, le truc. Alors, ça doit... Ouais, 17. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec 17? Je crois qu'on peut vendre... Ah oui, je viens de me rappeler. On peut vendre des personnages. Donc lui non, parce que lui, il fait du bien au groupe. Lui par contre, attends. Ouais, ah non, c'est pas des boucliers, c'est normal, d'accord.
pendant 3 tours. Il est intéressant, mais il se prend plein la gueule. En fait, comment tu veux qu'un loup, ok, il va faire des attaques de 80% pendant 3 tours, mais par contre, il va se faire démonter au premier tour, quoi. Il a que 10 de vie. Donc finalement, c'est pas intéressant, le chien déchaîné. À combien on peut le revendre, ce truc? Je sais pas, j'hésite à le vendre ou pas. J'hésite. De toute façon, si je le vends, c'est... Ouais, mais bon. De toute façon, là, je suis bloqué, hein. Je suis bloqué ici. Ah, il y a les machins. Alors, eux, c'est même pas la peine. Je pense que ça marchera pas. Il tape à 45, non? 50. Il est dur, ce niveau, hein. Ça, on l'a fait déjà, non? Je me semble que oui. On va voir. J'avais pas le... Si, j'ai le paladin là. On va essayer. On va essayer. On perd rien, apparemment. Ah, merde. Là où je suis là, c'est le camp des rebelles, en fait. Hein. C'est à l'entrée des... Pour l'instant, l'inquisitrice et le cerf en haut, là, ils sont pas mal. Ah, elle est encore... Ouais. Je pense que c'est pas une protection, ça. C'est juste leur groupe. Tu vois, moi, j'ai une autre couleur. Je dis des bêtises. Hop, on va se déchiqueter. Ok. On verra. Très bien, de toute façon là je suis en mode essaye. Oh! Elle a tué ce vidéo, l'inquisitrice. Purée! Oh 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 oh! Il y a peut-être un. Non, il me reste encore, il reste 3, il reste 4. 4. Attends, il en reste. 3, 4, 4, il en reste. 3, 4 maintenant, ouais. On est 4-4 là. 4 et 4. C'est possible, hein. C'est pas. Ah, oh, dommage, parce qu'il sait pas se battre, le cerf. Ouh là 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 là. Dommage. Dommage. Il a pris un. Il a pris un. Très dommage. Oh la vache. Ouais, ça c'était pas mal. Entrée. C'était pas impossible en fait. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va les séparer. Voilà, pendant ce temps-là, ils attaqueront pas quelqu'un, je pense. C'était plutôt pas mal. Lui, on va le mettre là. Lui, on va le mettre là dans la ligne verte. Je pense que c'est peut-être mieux pour eux. On va protéger l'inquisitrice. On va rester comme ça dans cette... Attends, oui, c'est ça. On va essayer dans cette configuration-là. Par curiosité. Est-ce que c'est une histoire de... Parce que là... C'était pas mal, il restait juste que le dingue. Je le sais. On va voir s'il en manque. Hein. Oui, il y en a un qui va crever déjà. Je rappelle que eux, ils sont en cuivre... Non, en blanc. Ils sont en blanc, eux. Ah, l'inquisitrice, elle est trop proche. Oh 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 oh. Le cerf est... Heureusement, le cerf est loin là. Ah mince, ils font le cerf. Ah, tu vois? De les séparer, c'était pas plus mal. Oh 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 oh. Purée, c'est pas mal. Dommage, dommage, dommage. Dommage. Purée, je peux pas la mettre plus loin, non? Je regarde, hein. Est-ce que je peux pas le mettre plus loin, les deux là? Oh, qu'est-ce que c'est dommage. On va mettre plutôt lui là. On va protéger l'inquisitrice. On va mettre ça là. Je ne sais pas si ça va changer quoi que ce soit. J'aurais dû mettre l'arc devant, l'archer devant l'inquisitrice. Où il va le cerf en haut là? Qu'est-ce qu'il fait? Le
le fer il est censé protéger, il est censé abaisser la. Non. Soigner les. Notre groupe. Je crois. Hein. C'est pas mal là. On est 4 contre 4. 3 contre 3. Ah, le berserker ça fait manger. Hein. Je suis assez content de la. Oh 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 putain, qu'est-ce que. Oh putain, c'était sur le fil du rasoir, quoi. Donc, c'est une histoire de placement. Ça influe, en tout cas. Oh purée, mais c'était juste, hein. Parce que là, en fait, ce que j'allais faire la prochaine partie, c'est que j'allais enlever des atouts à quelqu'un pour le mettre à quelqu'un d'autre. J'ai gagné. Du coup, je récupère... Quoi ? C'est là. J'ai récupéré des choses ici. Là. On va les mettre là où on les voit. Ça. Non, ça, il y a... C'était déjà... Ça, je l'avais déjà, puisque... Qu'est-ce que j'ai gagné ? Ah, mais j'ai gagné non, mais pas d'argent. Oh là là. Ça, on va la récup. J'ai besoin de sous, désolé. C'est bon, j'ai plus besoin de qui que ce soit. On peut le revendre. Pareil. Ok, ça me fait 53. On va aller voir. Ouais, mais ça servira à rien. À rien du tout. Non, rien du tout. J'ai avancé en tout cas. Ça, c'est cool. L'inquisitrice, qu'est-ce qu'elle a sur... Elle a rien, dit. Elle a rien. En plus, elle a rien. Attends, parce qu'elle a pris du... C'est quoi son point faible à l'inquisitrice? 500. C'est ça son truc. Ah, elle a... Ouais, ça. La protection. Alors, attends, le chien, il est à combien là? Il a rien. Lui, là, il a rien non plus. Elle a rien. Lui, bah, c'est le paladin, il a rien. Berserker, il n'a rien non plus. Ah, ils ont tous rien en fait. Ils ont aucun item. Oh la vache. Oh, bah voilà, au moins tout le monde est à la même enseigne. Ils n'ont pas d'item en fait. J'ai peut-être gagné, mais j'ai pas eu de. Je sais pas, j'ai pas eu. Ils me sont pas. J'ai eu des gros bonus, hein. Ça m'a libéré un endroit, non, d'aller à... Non, je pense, c'est ici, non? Il n'y a rien. Si je suis entré, il se passe quoi? Ah, c'est encore lui? On va essayer, on va essayer, on va réessayer. Du coup, ce que l'on va faire, c'est qu'on va mettre l'inquisitrice et lui là-bas, là, qui protège le cerf. Vas-y. Il a déjà tué. Là, on y est 3, 4, 5, 5 contre 1. 3 contre 1. C'est l'inquisitrice qui envoie les boules comme ça, là. Elle est pas mal, l'inquisitrice, hein. Ça pourrait se jouer, hein. Purée, ça pourrait se jouer. Ouais, ça pourrait. On va essayer autre chose. J'ai pas tenté ici, je crois pas, mais je crois que là, c'est ça serait la misère, mais bon, on va essayer, écoute, on va essayer, allez. J'ai jamais combattu contre eux. Ils t'envoient des piques, et les porcs qui piquent. Ah, le loup est chez eux. Ah, c'est pas mal, hein, le loup. Ils sont bloqués, on dirait les parcs épiques, ils avancent pas. Ils font de la distance en fait. Faut que je tue les cerfs, parce que les cerfs les soignent.
Ça m'étonnerait, oui, voilà. Je pensais aussi. Ok, mais non, je sais, j'ai ma réponse. Ça, c'est bon, c'est fait. Là, bah, c'est 2. Ça, c'est les loups avec l'autre, là. Attends. Lui, je sais combien. Il tape à 37. Lui, il tape à 45. Elle, elle tape à 45. Et elle, elle tape à 24. On va essayer comme ça. Oh, il en prend un sandwich en bas. Il en tuait. Et te prennent en club sandwich, là c'est fini en fait. C'est mort, c'est mort. Ah, il me reste une archère. Ah non, non, c'est là une ennemie. Mince. Ah bah c'est mort, c'est mort. Largement mort même. Ok. J'ai pas avancé là, c'est bizarre. Pas évident, hein. On va ressortir. J'ai rien en argent, j'ai rien du tout. Presque, il faudrait que je recommence. Ce serait bien même. Là, j'ai personne. Attends, j'ai mal lu. Pick hero from the list. J'avais pas lu. C'est pas les ennemis, c'est juste que je dois prendre des gens. Bah, carrément. Oui. Je savais pas, je savais pas. Ouais, mais attends, parce que là, c'est contre des gens, hein. Donc j'ai vu tout à l'heure, ils étaient non, mais c'était mort, c'est mort. Je vais les... là, par contre, on récupère pas le personnage. Je vais pas le faire. Ah non, je le ferai pas. Là, on avait des niveaux à 3000 là, donc là, je vais attendre, je le ferai pas pour l'instant. Ah non, c'était là. Ici, je sais plus. Ah non, 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 non. C'était, je sais plus c'était quoi ici. Bon, on va les prendre. De toute façon, je suis. Allez. On va les prendre. Je peux en prendre combien? 5. Voilà. 3, 4, 5, c'est bon. Ok. On va les placer. Donc du coup, hop, là je suis au tout début donc. Ah oui, d'accord, je suis au tout début, puisque je les ai perdus, mais là je peux les perdre, hein, les gars, hein, je pense. Là je pioche sur mon ancienne équipe, je pense, qui est sur le... chez les rebelles là. Entrée. Voilà. D'accord. Bon, 700, ça peut être possible. Ok. Du coup, lui on va le mettre là. Ouais, plutôt là. Moi je fais plus de la distance alors, hein, du coup. On va les mettre là, les deux là. Vas-y. On va voir. Oh, c'est possible, hein. Si c'est possible, ça va me donner du loot, en fait. C'est possible. C'est pas mal. C'est pas mal du tout, même. Ok. Donc là, j'ai gagné. Et du coup, voilà. Du coup, c'est ça qui est bien. Je vais prendre. Et voilà. Du coup, j'ai plein de choses. Alors, si vous n'arrivez pas à voir, on peut faire loop. Et du coup, on peut se déplacer un peu plus. Alors là, on n'a pas grand-chose. C'est plutôt petit parce qu'en fait, on commence. Mais lorsque l'on va ouvrir, agrandir, on va aller dans cette porte-là, ça va ouvrir d'autres choses. D'autres accès en fait. On va peut-être revenir en comme ça. Ouais.
Là, j'ai de l'argent aussi. Là, on peut faire une. On pourrait faire ça. Si j'en avais trois. Est-ce qu'il y a un magasin? Oh, mais j'en ai deux là. Oh, attends. Déjà, lui, on va le bloquer. Ah, on peut pas. Ah oui, il n'y a pas de. Dans cette partie. Ouais, c'est vrai qu'il faut que je fasse gaffe. Il y a des endroits. Là, il n'y a pas de magasin, en fait. On va tout looter à partir de là. Prendre. Le chest, le coffre vous attend une fois dehors. D'accord. Ça fait, ça rajoute de la magie, ça. Okay, il s'est bloqué lui aussi. Ah, parce que ça fait partie de. D'accord. Ça, c'est un bouclier. C'est assez intéressant à avoir. De puissance magique, non, c'est bon, ça tu pourras le revendre. Ah, j'en ai deux. Ah, j'en ai deux. Mais non, purée. Oh, foutre. Je m'en fous, je voulais jouer, moi. Il m'embête à mettre le lien Steam ici, là. On voit rien, enfin, c'est chiant. T'es en train de jouer, là. Oh, purée, ça me saoule, hein, par contre, ça, là, le truc, là. On a bien compris, mais ça, j'aime pas. J'aime pas du tout. Je fais comment, moi, avec mes items, là? Je fais comment? Sérieusement? Oui, voilà, je suis en 3 alors. Mais c'est pénible ça. Hein. Et non, parce que moi, si ça me coupe la vidéo, je vais pas refaire. Hein. Donc là, je vais garder ça. Ça va me faire une bague. Ouais, ça, je le garde. Ici, on peut apprendre les secrets. Mais bon, c'est pas convaincant ce truc-là. Ça m'a pas convaincu du tout même. Ok. Du coup, on va aller là, on va recombattre, je pense. Ça marche. Est-ce qu'on est bien comme ça? Oui, allez, go. On y va. On verra bien si je gagne. Aïe, 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 mon paladin. Ah, c'est pas bon là. J'aurais dû regarder leur, à mon avis, leur vie. Eh oui, tu m'étonnes. J'aurais dit non. Si j'avais vu ça, j'aurais dit non. 1880, tu m'étonnes. Ah, du coup, le coffre se met là. Tiens, c'est marrant, c'était quoi ça? Écoutez. C'est bon, ok, on a écouté. Prendre. Voilà, ah, c'est bien ça. Ça, j'aime bien. Du coup, ça, on va garder. Ah, il n'y a pas besoin de récup. Ah, j'espère que je ne l'ai pas. Ah, j'ai dû le bousiller l'autre. Oh, super. Alors là, c'est rare. J'ai puissance magique directe. Alors là, c'est bien parce qu'on va chercher elle. Voilà, elle, et on va lui mettre ce truc-là sur elle. Hop, et voilà. Du coup, là, en magie, elle va avoir plus. C'est un mage à la base. Hein. C'est un gantelet? Non. Mais par contre, le gantelet est bien. Donc lui, on va le garder aussi. Non, je veux juste. C'est quoi ça? Oh non, non, ça, tu peux le récupérer. Ça, par contre, on va garder. J'ai dû me tromper tout à l'heure parce que j'ai fait des bêtises. Ça, je garde. Ça, je garde aussi. Ça, pourquoi ça a pas mis? Tiens, c'est marrant ça. On va mettre là. Ça, il me faut deux roues, c'est ça, pour faire un. Eh oui.
Il me faudrait deux roues encore pour faire. Si vous prenez des items automatiques. Oh, bah attends, il y en a deux là. Si vous prenez des items automatiquement, il va les associer en fait. Là, c'est bon. Là, il me manque juste une petite bourse. Et ça me fera une bague. Et cette bague, elle est intéressante puisque je vous rappelle que la bague, elle t'octroie 256 là où tu la mets en fait. Mais j'ai que un de vie, hein. Là, t'obtiens, tu peux pas revendre, tu peux pas, ouais, tu peux pas revendre. Tu peux pas acheter non plus. Donc tout ce que tu peux faire, c'est gagner des combats et récupérer des choses. Mais là, je les ai perdus, mais j'ai récupéré quand même 70%. Est-ce qu'il n'y a pas un autre lieu pour combattre? Il n'y a que celui-là. Attends, on va faire ça. Non, il n'y en a qu'un. On va retourner voir si. Attends, c'est quoi ça? Ah, je pensais. Est-ce qu'on a. Ah, oulala. Misère. Alors attends, on va rire. 120. Non, 120, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon du. C'est un très beau personnage qu'ils ont là. Non. Là, le paladin, il est sûr. Non, non, laisse tomber. Je me fais tuer là. Donc déjà, c'est sûr. C'est quoi ça? Magie puissante, ouais. C'est dommage. Donc là, j'ai rien. En fait, là, je vais être bloqué. Voilà, il faut que je me rebatte pour obtenir des items. Ouais, ça veut dire le coffre attend, vous attend après la. Avant la porte, c'est ça? Devant la porte, c'est promesse de gain, quoi. J'ai pas le choix, je n'ai pas le choix. Ou alors il faut que je vende quelqu'un. Pour avoir des sous. Mais même, les sous ne me servent à rien, en fait, ici. À rien du tout. On va recombattre, tant pis. Tant pis si je me prends plein la gueule. Je vais recombattre, ça va me donner des items. J'ai pas le choix. Je sais que je m'en prends plein la gueule. Le paladin, il va m'éclater. Là, le paladin, il reprend de la vie. Regarde, regarde. Il reprend de la vie, le paladin. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? On lui en enlève, il en reprend. Tu vois? Arrivé à la moitié, il reprend. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il a un item sur lui. Il a un des, pas celui-là, mais un des deux items là. Je crois que c'est lui, on dirait. Cet item là qui lui redonne de. Ah, il est mort. Oh, il est mort. Oh! Oh, c'est pas perdu, c'est pas perdu. C'est pas mal. Attends, je m'attendais pas à ça par contre. Oh, purée! Purée! Oh! Ah, je m'attendais pas à ce truc-là. Non. Ok. Il suffirait que j'ai des. Oh, super. Tu sais ce que c'est, ça, hein? Amulette d'arbre de vie. Donc là, ça veut dire que je vais le mettre à quelqu'un. Mettons au paladin. Je sais pas combien il a de vie, le paladin. 700. Ça va lui faire 900. Et elle, là, elle a combien? 500. On va lui mettre à elle, pour l'instant. Elle est. Ouh là là, il y a ça aussi, putain. Viens, mon petit. Ça va changer la vie, regarde. Là, déjà, elle est à 900, elle. Ah, 700. Ça, elle est à 5, pardon. 5, 6, 7, ouais. Et donc, j'ai une protection. 25 d'armure en plus. Donc là, attends. Elle est là. Elle a combien d'armure? 15 d'armure, et eh oui. Donc là, on va lui donner à elle, hein. Franchement, parce qu'elle est forte, elle est pas mal, hein. Elle m'a assez impressionné. Donc voilà, du coup, on passe à.
On passe à pas mal de choses. Ça lui fait 40 d'armure, elle tape à 20 et elle a une force, elle a une vie de 700. Ok. Alors, est-ce qu'il y a des items que je peux. Oh putain, oui. Vas-y, 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 viens. Reviens, 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 reviens. Reviens, je te dis. Regardez, c'est caché, mais lorsqu'on fait ça, hop là, on obtient ça. C'est pas automatique donc. Chevalière en or, il faut les approcher. Alors ça augmente de 256. Je vais vous donner un exemple. On va prendre. Attends, on va essayer elle. La vie, elle va changer là, tu vois. Elle fait du 700, elle tape à 45. Si je lui mets la chevalière, c'est pour vous. Attends. Remarque, attends, pourquoi je ne ferais pas plutôt le lui? Pardon. Voilà. Ok. On va prendre lui. On va prendre la chevalière, on va lui donner à lui. Donc attends. Attends, d'abord. D'abord, on va regarder ses stats. Il fait 40, 15 et 600. Il le prend pas? Oh l'enfoiré, il ne le prend pas, c'est pas pour lui. Non. Oh, c'est incroyable. Attends, c'est incroyable. C'est une bague et ça ne lui va pas à lui. Bah alors ça, c'est la meilleure. Bon, ben du coup, je vais le donner. Un artefact. Ça améliore un. Ah, parce qu'il n'a pas d'artefact, peut-être. Il faut trouver quelqu'un qui en ait. Ouais, peut-être c'est ça. Et oui, mais ah bah alors je vais donner à elle. Attends, on va les jeter, oui. On va prendre la vie, on va lui donner. Du coup, elle était à 500, là elle est à 700. Ok, on est bien d'accord. Je lui mets ça. Regardez bien. Elle aussi, elle ne veut pas? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Comment ça se fait? Ça, on va lui donner. Mince alors. Attends, elle, on va la mettre en haut là parce que c'est bon, elle est servie. Ouh, c'est quoi ça? Ah, c'est. D'accord. Et du coup, je mets à qui alors ça? Au paladin? Elle? Au machin là? Mais attends, elle marchait. Ça marchait avant ça. C'est quoi l'histoire? Ah non, ça y est, je viens de me rappeler. Ça marche pas comme ça. Ça marche sur un item direct. Je me rappelle plus. C'est bon, c'est bon. Je viens de me rappeler. Donc en fait, mettons la défense là, on va retirer. Attends, on peut lui retirer la défense? Retirer, retirer. Je vais vous montrer un truc. Donc elle, on va lui remettre ce qu'elle avait. Où est-ce que c'est? Oh, mais j'ai plein de trucs ici aussi. D'accord, on va regarder ça après. Elle est où là? Attends. J'avais dit. Attends. Il me manque des choses là. Ça, c'était bien. Elle est où la truc de vie là? J'avais le. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Attends. J'avais le gros médaillon de vie là. Elle a gardé? Attends, elle a gardé peut-être. Oui, elle a gardé. Ok, regardez, je vais prendre ce truc là. Alors attends, comment ça c'est? Retirez ça, voilà. Je retire juste ça. Je prends le. Alors, j'ai pas le gantelet hélas, mais je prends ça. Je le mets dessus. Et voilà. C'est comme ça en fait, je me rappelle plus parce que j'ai pas joué depuis un petit moment. Et du coup, on peut le redémanteler, hein, mais là je passe à 50. Et du coup, je le mets ici. Ah, du coup, attends. Ouais, je le mets là. Inquisitrice, oui, l'inquisitrice. Oh, j'avais pas vu. Une robe résistance à la magie. Ah, purée de purée. Eh ben, tant pis, on va lui mettre à l'autre là. Moi, ouais, ça va le. J'ai, ouais, voilà. J'avais pas vu. Donc là, on a encore de l'argent. Du coup, comme on peut rien acheter, du coup là, je vais le garder, bien sûr. Y a pas, vous pouvez pas mettre le. Ici, vous pouvez pas mettre le blocage. Hein. Voilà, c'est de l'argent, il n'y a pas de blocage. Donc, du coup, on est un petit peu mieux encore là. Alors ici, on peut apprendre des choses. Bon, allez, apprendre. Je sais pas ce que ça. Ah oui, quand même. On sélectionne un talent. Attends, 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 parce que oui, un briseur mur. Non, non, c'est important. C'est aussi important que tout. Alors, bénédiction, alors, votre allié plus faible récupère 150 points de santé si l'un de vos alliés tue un ennemi. Magie puissante. Tous les attaques des héros alliés ignorent 20% de l'armure. C'est bon, c'est ça. Je veux ça. Donc là, j'ai ça. Je ne me rappelais plus de ça.
Et ici, alors aussi, pareil. Alors, pareil. Alors, je ne sais pas si ça va prendre la place ou si ça s'ajoute. 30 pour... les héros à distance, 30% de chance de réaliser une attaque de zone. Aura destructrice. Oh oui, ça s'ajoute. Réduit la guérison et génération des ennemis de 15%, donc ils ne se soignent pas. Augmente la santé de tous les guerriers de 15. Ouais, allez. Hop là. Et voilà. Donc du coup, là, je suis fait. Ok, maintenant, on va repartir. De toute façon, on n'a qu'une porte, hein. Ouais. J'imagine même pas l'heure, 1 h 15. Ils vont se faire démolir, eux. C'est sûr. Attends, même si à 700, comme il y a. C'est bon. Voilà. Je pense que là, à ce niveau-là, je vais gagner. C'est même presque sûr. On va mettre ça ici. Lui, on va le mettre derrière parce qu'il va envoyer des flèches. Et le daim, le cerf, on va le mettre là-bas. Normalement, ça devrait aller. Go! Ça devrait aller, hein, j'ai dit. Parce que je joue sur la qualité de la force de vie. L'utilisatrice, là, elle va rester effectivement à la fin. Mais elle aura leur tour. Tu vas voir. C'est gagné, de toute façon. Nickel. Nickel. Victory. Voilà. Et du coup, j'ai ça. Du coup, je vais prendre. Et voilà. Et j'ai un gantelet. Le gantelet qui permet d'améliorer de 11 la puissance physique. Donc, du coup, je vais aller sur mon petit archer là. Viens ici, mon petit. Et on va te. Oh, regardez. Alors, je vais même pas le faire. Regardez ce que je vais faire déjà. Je vais faire ça, je le mets là. J'ai ça. Le gantelet, il tape à 11, ok? Je le prends, je le mets là. Hop. Maintenant, il tape à 22. Je le prends, je le mets ici. Boum! Et lui, eh ben, au lieu de faire... vous, voilà, il tape à 62. Il devait taper vers les 40, et voilà. C'est pas beau, ça? Ça, c'est beau, putain. Ça, c'est beau. Ça égaye ma journée. Alors, attends, je vais mettre ça là. Pareil, ça c'est super important. Alors c'est de l'argent, effectivement, avec ça on peut s'acheter des trucs, mais dans ce niveau-là, j'ai rien à acheter, donc du coup ça me change rien du tout. Je peux récupérer, oui, de l'argent pour plus tard, mais voilà, parce que ça sert à rien ça. Des petites pièces, on s'en fout. Et ça part pour le village, hein. Je ferai rien avec. Oh, ça y est, j'ai un truc de commerce qui s'est ouvert. Parfait, parfait, parfait. Avec ça, on fait quoi? Ah, on fait un oui. On combine. Ouais, si j'en ai deux autres comme ça, alors on va le garder. Si j'en ai deux autres comme ça, je fais un talisman de vie. Ça, on peut le virer. J'en ai plein. C'est quoi ça? Oui, tu peux le virer. Je t'ai dit. Ah, on va le faire autrement. Donc là c'est bon, tout ce qui n'est pas va partir de toute façon. Là c'est bon. Tout ce qui n'est pas coché. Pourquoi il y a encore un coffre ici? Ah, j'ai pas vu. Ben alors, je peux ouvrir les coffres, sérieusement. 3, donc du coup là je peux faire une... Ah non, ça on va le prendre. Récup. Maintenant j'ai un magasin, donc là du coup je vais pouvoir aller voir. Ah, il y en a deux. Ça c'est intéressant. Si j'en ai un troisième, ça va me faire une feuille, comme la feuille que j'ai là. Et ça m'intéresse, puisque 3 feuilles, ça me fera un talisman de vie. J'ai combien d'argent? J'ai 11, c'est insuffisant. Je peux aller là, voir un commerce. Il peut y avoir... Oh putain. Je suis vert. 128, ça coûte. Ce qui fait que si je vends des choses là, je pourrais acheter directement un talisman de vie. 128. À combien ça se revend ça? On sait pas. On peut les vendre? Attends. Ah, j'ai pas la carte vente. Je crois pas. Attends, vas-y, mais je crois pas. Non. C'est qu'un achat là. La vente, c'est où il y a la pieuvre. Le coffre avec la pieuvre, et il n'y en a pas là. Donc du coup, j'ai pas encore la revente. D'accord. Je ne peux avoir que l'argent en fait.
Ça c'est pas mal, mais il m'en manquerait encore. Ah, j'aurais peut-être pu, hein, si j'en avais trois. Ouais. Là, j'ai ça. Avec ça, on fait quoi déjà? On fait un bouclier. Bon, pour l'instant, on va rester comme ça. Du coup, là, je suis bien, hein. On va aller. Donc là, les trois, vous pouvez pas faire maximum, là. On va aller là. On fait entrer. Je vais regarder, hein, ce qu'ils ont. 700. Ils frappent à combien? 45, 75. 39, 18. Donc elles sont pas faibles. Elles sont faibles. Il faut tuer lui, en fait. Donc, ce que je vais faire, lui, on va le mettre là. Lui, on va le mettre en bas. Lui, il va tirer sur lui. Elle va attaquer. Bah ouais, il faut qu'il s'approche, en fait. Il faut qu'il fasse du corps à corps. Et l'inquisitrice, on va la mettre ici pour qu'elle va, pour qu'elle puisse attaquer comme ça. Allez, go. C'est pas perdu, à mon avis. Hein. T'as pas perdu. Ah, je vais perdre mon paladin. À moins que le cerf le sauve. Non, il n'y a pas sauvé. Ouh, dis donc. J'ai un micro-ondes, le truc. On dirait la sonnerie d'un micro-ondes. Aïe, 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 aïe. C'est pas bon, ça. M'a éclaté. Elles étaient pas fortes, mais... Ah, si, quand même. 1972. Attends, c'est mon... é... C'est qui? C'est mon équipe? Oui, c'est mon... C'est mon équipe, ça. Attends, 1972? Non, elle frappe à 1972? Non, c'est pas mon équipe, ça. Hein. Oh, bien, j'ai un talisman de vie. Attends. Mais là, c'était mesuré. Elle frappe à un truc de taré. Là. Personnage. On va mettre les personnages là. Donc là, c'est quoi ce que j'ai récupéré? Un talisman de vie. Ah tiens d'ailleurs. Oh là là, c'est cool. Voilà. Talisman de vie. Donc le talisman est à 200. Vous faites ça. Vous faites ça. Hop. Et on a un talisman qui fait 400 de santé. T'imagines le rêve? Lui, le petit là. Il fait 600. Regardez. Maintenant, je lui mets ça. Et hop là, hombre. Regarde ça. 1000. On est dans l'autre quartier là, hein. Et c'est pas le même. Hein. Là, c'est pas le même. Ok. Du coup, est-ce que j'ai la pieuvre? Non, toujours pas pour vendre. Par contre, on voit que j'ai encore de l'argent ici. Ah, mais je peux acheter. Ouais, cette fois, je peux acheter. Donc, cette fois, je vais vendre. Récupérer. Récupérer. Cette fois, je vends parce que on est 91. Donc là, il faudrait, en fait, il faudrait un objet direct. Je pensais pas qu'on pouvait en avoir, mais oui, effectivement, on peut en avoir des directs. Tu vois, par exemple, ça. Là, j'ai 91, dommage. Il me manquerait pas grand-chose. On va essayer de. Je vends pas, en fait, là. Hein. Je récupère l'argent. Il n'y a que l'argent que récupérer que 111. Il faudrait que je récupère encore de l'argent à quelque part. Il n'y en a pas. C'est quoi ça? Apprendre un grimoire. Je sais pas ce que c'est. Oui, mais si je fais ça, il m'en rajoute un? Attends. Aura destructrice. Réduit la guérison et la régénération de l'ennemi de 30%. En début de bataille, toute l'équipe augmente de 40% l'attaque pendant 15 tours. Bah, putain. Oh putain, ça me rajoute. Ça va être des tueurs. Oh la vache. Tiens, bah là, on va rigoler. On va rigoler. Vas-y, reviens. Reviens, monsieur. Tu vas voir. Salut. On s'est déjà vu, hein, mais c'est pas grave, ça va pas durer. Tu vas voir. Attends, normalement ça va être pas mal. Bon, peut-être qu'ils vont m'éclater, mais en tout cas, ils vont. Alors lui, c'est le roi, lui. Hein. Il est à 1000. On va le mettre là. L'inquisitrice, on va la mettre ici. Le cerf là. Ouais. J'espère qu'il n'y a pas trop de cerf tué. Attends, peut-être que le cerf, je ferais mieux de le mettre. Elle, je vais le mettre là et le cerf, je mets là-haut. Vas-y, go! On va voir si c'est la même. Alors, l'archer là, il tape pas plus fort, mais par contre, il a une vie beaucoup plus longue. Peut-être qu'on pourrait les avoir à l'usure, peut-être.
verra. C'est un test. On m'embête la fille, la mitrailleuse là-bas. Là. Ouf, c'est ça. Alors, il a de la vie, mais. Ah, il a de la vie hein, quand même. Hein. Ouh là là, oui. Hey. On est pas mal, hein. On est pas mal du tout. Putain, c'est gagné. Je bois de l'eau pour fêter ça. Ouais, non, franchement, et cul sec. Le top. Le top du top. Je suis au sommet, je peux pas aller plus haut. J'ai le vent dans le dos. Oh, putain. Alors, on a récupéré le... On peut revendre maintenant. Je vais prendre ça. Oh, c'est le top. J'ai 111. Je peux m'acheter directement un truc, là. Regarde. Voilà, maintenant je vais là et je vais me récupérer, je sais pas, qu'est-ce que je fais, commerce. Je sais pas, une glace à l'eau, un truc comme ça. Non, 128, qu'est-ce que je fais? Je prends ça ou alors je prends de la vie. Je vais prendre de la vie. Acheter. Une amulette de vie. Alors l'amulette de vie, je vais la mettre, alors je pense à elle, ouais. Elle se protège, mais elle a combien de 700, oui. Non, c'est pas assez. On va retirer tous ces petits trucs, là. Tu vas te mettre ceci. Donc, elle va passer à 700. Et du coup, est-ce qu'on peut cumuler deux amulettes de vie? Je ne sais pas, je pose la question. Donc, on va passer à 900, alors, normalement. C'est qui va faire du mal. Et comme c'est une... Ah oui, je pourrais mettre ça, effectivement. Ça lui ferait 50 d'armure. Ouais, allez, je préfère. C'est une tuerie. Et elle, on va lui donner la magie, tant pis. Voilà, enfin tant pis. C'est pas tant pis que je veux dire, mais... Oh, c'est trop bien. Et si ça vous plaît pas, vous pouvez refaire... comment dire, différemment, hein. Là, je crois que j'ai encore 47. Alors, soit je magouille avec... Enfin, je magouille, je crafte avec ça. Ça, je me fais quoi? Je me fais un bouclier. Il y en a un autre, je crois. J'en ai vu un. Ici. Là, il y a des roues de carrosse, là. Oh, mais j'ai ça. C'est quoi? Améliorer la magie. Est-ce qu'il y aurait la place chez elle? Non. Elle, c'est pas vraiment une magie. Ouais, c'est un elfe guerrier, donc la magie. Ah, ben chez lui. Ben oui, bien sûr, c'est un mage. En fait, même, je devrais le faire. Ah oui, c'est clair. Ok, toi, tu vas venir un peu plus haut. Là, je vois jamais. Hop, voilà. Voilà, c'est sur les... Il faut vraiment gérer, hein, pour... C'est ça que j'aime bien. J'aime beaucoup. C'est un jeu de tour à tour, mais il y a de la gestion. Ça, j'aime bien. Parce que tu peux remporter le combat par une bonne gestion, te fait remporter un combat. C'est pas forcément celui qui est le plus fort, mais c'est cool. Tiens, il y a ça. Donc là, ça me sert pour un arbre de vie aussi. Est-ce qu'il n'y aurait pas ça en vente, là? Je vais voir un peu. Commerce. Non. Mais il y avait ça. 128. Ah, il y avait l'arbre de vie direct, je peux l'acheter aussi. Hein. Ou alors je peux acheter ça. Oui. Je vais acheter plutôt un. Ouais, un gantelet. Alors attends. Non. J'ai pas assez d'argent de toute façon. Donc on va dire que je pourrais pas. Voilà, on va vendre ça. On va vendre ça. Je peux vendre maintenant des items comme ceci. Tiens. Ça c'est cool. Et ça me fait quoi là? Ah, ça me fait des... Donc c'est quoi? Il me faut des graines d'unité. Si j'ai des graines d'unité, ça irait. Non, j'ai pas. Oui, je pourrais me le faire, mais enfin. Voilà, c'est bon, je peux me l'acheter. Hein. Donc je vais prendre le gantelet plutôt. Ça rajoute 11 de puissance, c'est toujours ça. Et le gantelet, on va le mettre à lui. Ce qui fait que maintenant, il va taper à 56. Bon, il est toujours pas fort, hein. Donc le prochain truc, c'est bouclier. Du coup, là, il me faudrait encore un truc comme ça. Ou alors, ça. Un arbre de vie. Ah, bah, attends, j'ai qu'à vendre. C'est pas... Mais pour arriver... Non, j'arrive jamais. Avec le prix, là, j'arrive jamais. J'ai que 3.
Donc ce que l'on va... Ah, attends. Ça fait... C'est tout, 19. Ça là, j'en ai rien à faire. Vas-y. Vends. Il y a de l'argent là. Ça c'est pour le gantelet. Non, le gantelet c'est bon, j'en ai plus besoin. On va faire ça. On va les vendre. Pourquoi il n'y a pas le son? C'est quoi ça? Non, pareil. Je suis à 85. C'est pas trop mal, hein? Si j'arrive à... Je peux m'acheter un... Enfin, c'est cool, ça serait cool, ça. Donc j'ai le choix. Soit je vends ça, ouais, mais ça, je le revends à combien? À 16. Ça me fait 32. Oui, je pourrais l'acheter. Si je revends ces deux-là, je les... c'est bon. Allez, faire ça, c'est pas grave. On va s'acheter directement le truc. C'est bon? Et là, on s'achète l'arbre de vie. Normalement, j'ai assez. Oh non, putain, j'ai mal calculé. J'ai mal calculé, c'est ça, hein, j'ai mal calculé. 128. Je suis déçu. Attends, attends, c'est pas grave. J'ai encore des ressources. Bah, c'était ça que je voulais. Donc, tant qu'à faire, je vais vendre ça. C'est pas grave. C'est pas important, je vais les avoir, les trucs. Vas-y, viens. 121. Oh, putain, ça va être... même pas, j'y arrive pas en fait. 125. Si j'y arrive. 129, c'est bon. Bonjour, je voudrais des bonbons, s'il vous plaît. Je voudrais ceci. Merci. Et on va lui donner à monsieur. Voilà, monsieur est à 900 maintenant. Et là, je pense qu'on peut discuter à ce niveau-là. On continue. Je sais, ça dépasse de l'heure. On est à 1h32, c'est un truc de fou. Mais tant pis. On va leur faire leur fête là. Hop, hop, ça va être la fête, hein, je vous le dis. Lui il va tirer comme un taré. Et là, c'est parfait. Go. Je sais pas combien il tape, j'ai même pas regardé. On fait le combat. Là, j'ai de quoi, j'ai un peu mieux. Un peu mieux. Je vous rappelle que si je perds mes bonhommes, là, je les perds. Je les ai plus de cette équipe-là, je peux la perdre en fait. C'est ça le truc. Youpi. Tiens, allez, regarde, regarde, attention. Magie. Attends, on va faire ça. Tu vas voir la magie. Regarde bien. Là. C'est juste énorme. Alors regarde le gantelet. Hein, pareil. Tu enlèves, tu fais retirer. Tu viens là, tu fais ça. Toc, il tape la double, tu viens là, tu lui remets. Et voilà. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Un gantelet. Un gantelet, on va lui donner à elle parce qu'elle le mérite. Voilà. Du coup, ils sont tous à 900 de vie. C'est trop top. Non, là, c'est bon, j'ai besoin de rien. Je vais peut-être de l'argent éventuellement. Mais c'est, je suis au top là, j'ai une équipe, elle est au top. Attends, on va tous les mettre là-bas, là, les gagnants là. C'est juste au top. Lui, bon, ok, on n'a pas. Là, j'ai pas. Ils ont. C'était dans leur. Ils ont pas forcé pour gagner, quoi. Voilà. C'était dans leur compétence, on va dire. Avec ça, on a quoi? Un bouclier. On va le garder quand même. On va garder ça. On sait jamais. J'ai combien? 58. Est-ce qu'il y aurait un bouclier de à l'achat directement? Non, je voulais un petit pour ajouter, tu vois. J'aurais ajouté, ça m'aurait fait. Attends, c'est ça? Oui. Faudra un rond et je fais un bouclier là. N'y en a pas. Si je fais. Ah, je peux pas renouveler ici. D'accord. Ok. Bon. Ben, on va continuer. Hein. Moi, je m'en fous. On continue. C'est pas grave. Alors, je sais que c'est l'heure, c'est assez pénible, mais c'est pas grave. On peut pas rester comme ça. Donc, je peux apprendre autre chose ou pas? Non. Ouais, ça, je l'ai fait déjà. Celui-là, c'est celui-là que j'ai pas fait. Apprendre. Donc là, on va en rajouter un encore.
Santé, force 3, augmente la santé de tous les guerriers de 45%. Mais t'imagines le truc? Corps de guerre 3. Au début de la bataille, toute l'équipe augmente sa vitesse d'attaque pendant de 60% pendant 15 tours. Après 15 tours de combat, vos alliés infligent 45% de dégâts supplémentaires. C'est pas mal ça aussi, hein? T'as soit au début des 15 tours, tu mets 60% d'attaque pendant 15 tours, ou alors 45% d'attaque, ça sert pour éventuellement le dernier. Si quelqu'un est seul, il a un gain de 45% pour taper. Oh putain, je sais pas. Et augmente la santé de tous les. Non, la santé, c'est bon. J'hésite entre ces deux-là. Soit il tape en premier 60%, boum. Soit il va y avoir, mettons, deux morts, et le restant va infliger 45% de dégâts. Non, on va faire un. Oh putain, je sais pas. C'est intéressant ça, hein. Parce que la dernière personne qui va rester, des fois ça se joue à un près. Il va taper à 45 au bout de 15 tours. Ça fait 15 tours, ça fait beaucoup, hein. 15 tours, ça fait beaucoup. Allez, on va tester 15 tours. Oh putain, je sais pas, j'hésite. J'hésite, j'hésite. Attends, 45% et 60% d'attaque? Non, on va prendre ça. Ouais, 60% d'attaque. J'ai jamais été aussi loin. Là. Jamais. D'ailleurs, je vais. Ouais, non, je vais pas rien faire. J'ai jamais été aussi loin, en tout cas. C'est sûr, sûr. On va aller là. Ok. Bon. Alors, ils sont que 3. Et nous, on y est. T'as vu le nombre qu'on y est? Alors, lui, il tape à quoi? À 10 000? 950. Ah, il tape à 45. 125 de. Ah oui. 125, hein, quand même. Hein. Donc, c'est pas non plus gagné. On va mettre les deux ici. Et elle? 44. Bah, il faudrait que je les tue avec l'archer. Si j'arrive à les tuer, c'est cool. On va voir, mais à mon avis, ça va être un peu. On va voir. Je crois que j'ai 60% au début, donc. D'attaque, pendant 15 fois. Oh, j'ai tué le. J'ai tué le. J'ai tué le mec. Les deux là, c'est bon, c'est de la purée, c'est bon. Allez, allez. Oh, dis donc. Oh, il revient là-dedans. Il se sert là, c'est quoi cette histoire? Génial. Bravo. Franchement, que c'est cool. C'est excellent. Excellent. Voilà, bon, ben, donnez-moi les cadeaux, je les prends, allez-y. Et parfait. Qui c'est qui va avoir un gant? Regardez bien, regardez bien. Tac. Tac. Hop là. Et là, je pourrais encore me protéger encore. Alors, avant de faire ça, je vais voir qui a la plus basse protection. 65. Attends, je vais me mettre comme ça parce que j'ai peur de couper mon stream. Ici, il a combien lui? 45. Je prends la plus basse, hein. 45. Ah mais lui il est blindé, donc je peux plus. 15? Ah ouais, mince quand même. Non, alors attends, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui enlever le. Ouais, on va lui enlever ça. C'est un fardeau pour lui, ça. Suis désolé, mec. Ah ouais, non, 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 c'est pas pour toi, ça. Donc, toi, on va te mettre à. Ben voilà, c'est clair. Donc, il est où le. Voilà, on prend ça, on fait ça. Et là, on va lui mettre à lui. Oui, non, il avait un désavantage avec ça. Donc, maintenant, boum, voilà. Merci, monsieur, bonjour. Et on est à 65, ce qui est déjà mieux. Alors, par contre, est-ce qu'elle a de la place, elle? Non. Est-ce que le daim a de la place, le cerf, là? C'est à lui qu'on va donner. Oui, c'est lui. On va lui donner un truc magique. Puisque lui c'est un protecteur, mais c'est un mage, tu vois. Du coup, ça lui est pour lui, c'est au top ça. Du coup, là, on a une nouvelle porte. Et le jeu a évolué, hein. Il a dû avoir une mise à jour parce que j'étais pas comme ça avant. Ça, on va le vendre. Merci. Ouh, ça, on va le garder. C'est un orbe de vie. Hop là. Attends, on va le mettre là. Ça, on va le mettre là.
Franchement, si vous regardez toujours la vidéo à ce niveau-là, je vous dis merci. Vous devez vraiment apprécier parce que pour rester autant de temps, ouais, franchement là, bravo. Récupérer. En même temps, c'est la meilleure façon de voir le jeu, hein. On comprend au bout d'un moment. Tu peux vendre. Ça, c'est. Ouais, tu peux vendre aussi. Ça aussi. On va s'acheter soit un arbre de vie, soit. L'arbre de vie, je le mettrai à lui. Hein. Donc, comment s'appelle ça? Les feuilles vertes, là? Écorce de fer. Je peux pas. Il y a plus. Ah, en fait, t'as qu'un. Oui. 128, j'ai combien? 144. Oui, je pourrais lui acheter ça. Ça le. Oui, voilà, allez. Après, on en est, hein. Voilà. Lui, il est blindé, là, maintenant. À son maximum. Ok, il y a plein qui traînent. Ouais, là on est fort. Hein. On est très fort. Donc, récapitulatif. Inquisitrice, elle a 900 de vie, elle tape à 20, elle se protège de 65. Le paladin a 900 de vie, tape à 67, il a 45 de protection. En protection, ils sont pas non plus. Voilà. C'est pas les cadors, quoi. Lui, il a l'orque, le rôdeur, il a 1000 de vie, 60, il tape à 62, il se protège à 65. Elle, c'est la danse lame. Elle a une vie de 940, elle tape à 45, et elle se protège à 45. Et enfin, le cerf qui est censé, donc, restaurer la santé des alliés. Il est à 500 et il était bas, lui. Hein. Si je lui ai mis en plus ça, il a 111 de magie, il tape à 10 et il se protège de 40. C'est pas le rêve, hein, mais bon, quand j'aurai fini d'avoir ça, là, je lui mettrai à lui. Ouais. On en fait. C'est pas grave. On en fait une dernière. Ça fera 2 heures, peu importe. Ou pas. Qu'est-ce qu'on fait? On arrête là, on continue. Voilà, on continue. Ou pas. Je vais arrêter là. Je vais faire une autre petite vidéo derrière. Voilà. Et je vous dis, oui, si vous voulez suivre, vous suivez. Ça sera une vidéo courte que peut-être plus de monde regardera. Je vous dis à bientôt. Je ne sais même pas si je vais mettre la vidéo en fait. Mais oui, normalement, oui, peut-être. Ça sera vraiment une vidéo pour de niche, hein, je veux dire. Allez, à plus tard. Salut, ciao.